Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fable Anniversary, l'épisode 7. La dernière fois, on s'est arrêté après être arrivé à Harold's Field, et entre temps, il s'est passé énormément de choses. Comme vous voyez, on voit une petite auréole sur ma tête, je suis pratiquement au maximum de l'alignement bon. J'ai acheté une nouvelle arme, qui fait méga tonne de dégâts, j'ai acheté un nouveau sort, le sort de ralentissement, et j'ai plus de vie, etc. J'ai fait énormément de choses, et surtout principalement je suis marié. Voilà. Donc vous verrez ça plus tard, je retournerai à Bowerstone. Ils dorment tous, hein. Y'a pas un lit où je peux dormir? Ah, soyez prudent. Laissez-moi deviner. Donc j'ai trouvé comment pêcher hein, et comment creuser. Donc bah, il suffisait juste d'acheter une canne à pêche et une pelle à Bowerstone. Hein. Et là on va tout de suite se rendre à Oakvale, la ville de début. Donc j'espère que vous allez bien goûter la forme, parce que moi oui. Comme vous voyez, j'ai découvert quelques autres zones, j'ai fait le quête annexe, etc. Bonjour, je me souviens de toi. Nous pensions que tu étais mort dans le raid des bandits il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps? Tu te souviens de moi, non? Je cherchais Rosie, mon ours en peluche, juste avant l'attaque. Depuis ce jour, mes parents se sont installés à Bowerstone, mais je ne m'y suis jamais plus. Tu vas bien? Un instant, j'ai cru que t'étais ailleurs. Bon, il faut que j'y aille. Mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut. Ah, il est toujours... traumatisé par le raid. Ah, ok. Par ici. On va rien dire. Ah, il y a une propriété à acheter ici aussi. On va racheter la propriété, si on a assez d'argent, bien entendu. Rentrer chez les gens. Alors. D'accord. Coûte 5000 pièces d'or, j'ai combien? Ah oui, 4297. Allons voir Maz. Te voilà. Je pensais que tu étais trop célèbre pour te montrer ici. J'ai bien peur de ne pas en savoir plus sur ta sœur et je ne peux rien faire de plus. L'espoir demeure. Une prophétesse aveugle vit avec le clan de l'âme. Il se pourrait qu'elle puisse t'en apprendre plus sur ta sœur. Et comment? La prophétesse conseille le roi bandit. Ce n'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps. De l'âme, c'était un héros autrefois, un véritable géant. Mais il ne supportait plus la guilde, il l'a quittée et a uni une douzaine de clans de bandits. Je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer. Voilà ta chance de te venger. Leur camp ne doit pas être trop loin d'Oakvale. Le village est souvent attaqué. J'ai laissé une carte de quête à la guilde avec les détails. D'accord. Choisissez vos quêtes à la Bonne guilde. Bonne visite à vous. Je ferai ça après. Donc on va faire un petit tour de la zone. Comme ça. Alors. Mon amour. Oui. Je me tiens souvent ici. À fixer la mer. Mon cher mari a disparu en mer. Il y a des années. Il était parti pêcher. Et n'est jamais revenu. Mais je n'ai pas abandonné l'idée de le revoir un jour. Rebonjour. D'accord. Si jamais je trouve, on ira... Oh, c'est quoi ici? Un petit truc. Chemin de la falaise. On va aller voir après. On va
déjà s'occuper de parler à toutes les personnes pour voir si on peut faire des quêtes. Alors, dans la taverne. C'est le contrat contre votre. Ah, merci. Monégol, ah. C'est ici. Alors, testons. Instruction. Et vous pourriez rendre une femme heureuse. Ah. Trop loin. Laissez tomber, hein. J'arrive pas à ça. Il est beau. Monégol, c'est ici. Je remets les petites dames. Pour vous servir. Alors, on va essayer de vendre quelque chose. Non, c'est bon. Moi, je garde tout ça, c'est intéressant. La taverne. Regardez. Fantastique, n'est-ce pas? Donc j'ai ouvert le chapeau que j'ai trouvé, je l'ai ouvert dans une porte démoniaque, pas loin de Darkwood. Ça alors. Je vais pas vous dire comment l'avoir, c'est un secret. Les deux sont fermés. Bon, tant pis. Là c'est la ferme. Il n'y a rien d'intéressant. Vénérable. Ici. Ah, si seulement il me regardait. Je te vois. Oups, pardon. Vous allez me rendre ça ? Garde ! Ah, flûte. Chasse-poulet. Oh, hey, j'organise un petit concours. Un ex-ami des poulets, sans doute. Mais vous ne pourriez pas, vous savez... Sur la falaise, on va voir après. Alors, qu'y a-t-il là-bas ? Ah, lui. Oh, ouais. Oh, après si longtemps, enfin une bonne âme qui ne s'enfuit pas à ma vue. J'arpente cette plage maudite depuis tellement d'années. Les dieux vous auraient-ils envoyé pour mettre fin à mes tourments? Mon esprit demeure au fond de la mer. Et ma pauvre femme est dans le malheur et sans le sou. Elle croit que j'étais un simple pêcheur qui est toujours disparu en mer. Sans vouloir vous choquer, j'arrondissais un peu les fins de mois par la piraterie. J'ai caché mon trésor honteusement amassé près de la jetée sur la plage de l'Ouest. Si vous pouviez le déterrer avec une pelle et le donner à ma femme, je vous récompenserai au mieux. Vieux loup de mer. Si vous cherchez une pelle, ils en vendent en ville. Ça va voir, oh là là. C'est quoi cette boîte? 750. Je vais payer, hein. Ça fait
chier quand même, ça fait cher. Et qu'en est-il du fantôme? Tu verras bien ce qu'il en est. Ah, attends. J'ai dit d'arrêter de prendre ses livres. Pas de piller chez les gens. Voilà, c'est bon. Ça va pas m'embêter, hein. Ça vous dit qu'on se voit un de ces jours? Alors, il est juste là. Vous me trouvez jolie? J'ai rencontré un gars. Il se peut qu'il soit amoureux de moi. J'y crois à peine. Il m'aime vraiment. Il me dit que mes yeux sont comme deux astres brillants. Je dois lui avouer mes sentiments. Pourriez-vous lui apporter ça? Oh, j'ai hâte de tout raconter à Fiona. D'accord. Donc je lui donnerai ça après. Attends, me dites pas que j'ai payé quand même pour la... Non, c'est bon. Alors, qui est-il que... Une bonne lame à vos côtés. Non, merci. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-haut. Le jardin commémoratif. Alors, ici... accéder là. Bon, je vais pas tous les faire, hein. Bon, allez, si on va tous les faire, on va vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Ok. Ça c'est l'héros. Panthéon ici. On peut accéder. N'importe quoi. Eh, y en a un qui est en double. Ça va pas ça. Donc allons sur la côte pour récupérer le trésor. Ensuite parler à la femme. D'une bonne lame à vos côtés? Non. Je suis solitaire avant mon vieux. Amusez-vous bien. Qu'est-ce qu'ils font avec leur caisse? Donc allons tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Oh! Tiens! J'avais pas vu ça. On va fouiller un petit peu, hein. Alors, est-ce que le coffre ici? Non, rien. Qu'y a-t-il par là exactement? Ah oui, le camp des deux lames. D'accord, je n'ai pas les clés.
Surtout pas la quête pour... J'aime bien mon arme, elle a deux enchantements et elle a pas coûté cher, elle a coûté 4000 et je l'ai prise. Orgval. Ah là-bas. Ah merde, on peut pas y accéder. Donc ça veut dire que c'est là. Mais où est-elle? C'est ça la question. Je crois que je vais faire une ellipse jusqu'à l'avoir trouvée. Allez, ellipse. Alors, me revoici. Et c'est ici qu'il faut creuser. Et voilà. Donc on a retrouvé son trésor. On va aller le voir. Donc normalement c'est ça, normalement ça fonctionne. Hein. Je pense pas qu'on va faire la quête du lac. Qu'en est-il du fantôme? Qu'en est-il du fantôme? Alors, mon cher. Bonjour. Pourquoi n'avez-vous pas... Ah. Allez d'abord lui donner. Et qu'en est-il du fantôme? Vous pourriez rendre une... Regardez tous les cœurs tout en haut à gauche. Enfin tout en haut à droite. Il y en a beaucoup. Attendez. Jardin commémoratif, Barlow. Trompette de chemin. Par là-bas. Rien. Alors, madame, passez une bonne journée. La femme du fantôme. J'aimerais... Bonté divine, ça vient de mon mari. Vous dites qu'il l'a gagné en transportant des touristes sur son bateau? Oui, je me souviens l'avoir vu prendre des gens à bord. Ils ressemblaient à des bandits de loin. N'est-ce pas idiot? Je sais qu'il se souciait de moi. C'était un homme honnête et droit. Merci beaucoup. Je prierai pour qu'il rentre un jour. Mais après avoir fait un peu de shopping. Ah, d'accord. Plus 60 de bonté. Je sais pas si on est à 100, je sais pas si on a une auréole tout le temps. Je sais qu'on en avait tout le temps sur Fable 2, mais sur Fable 1, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que vous en pensez des graphismes, mais moi je trouve ça très beau. Franchement, je trouve ça très très beau. Non, Pep, tu parles pas toi. Du fantôme. Si tu continues, je te tue. Alors, pas ici. C'est par là. Tadam. Vous avez été un bon Bosco. Pour sûr, je peux enfin me reposer dans la mort. Mais avant de partir, je remplirai ma part du marché. Le reste du butin est enterré sous la hache d'une statue dans le cimetière du coin. S'il est toujours là, il est à vous. Encore merci et adieu. Sous la hache de statue, dans le cimetière. Et qu'en est-il du fantôme? Je lui répondrai après pour voir ce qu'il dit. Une bonne dame à vos côtés. Arrêtez, je n'ai pas besoin de vous. Le jardin commémoratif. Et voici, sous la hache de cette statue. Clé d'argent. Prendre hache d'obsidienne.
Ok. Quelque chose d'autre peut-être ? Rien de ce côté-là. Je peux pas accéder par là. Et devant peut-être ? On peut pas, donc c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter à la guilde. J'ai dit se téléporter. Guilde des héros. On a déjà fait une bonne visite, hein. Là je suis à 7 heures de jeu je crois. Alors, avant d'aller là, on va aller valider une autre quête. Qui se trouve juste en face, c'est la personne qui nous a demandé de redéposer la lettre. En fait, le début de la mission, c'est par là-bas, il faut aller récupérer la lettre, puis la déposer à celle de Logvald, puis la redonner. Qui lui donnera un champignon qui fait partie d'une autre quête. J'ai déjà les trois avant. Ça c'est le dernier, donc après on validera la quête à Baverstone et je vous montrerai mon foyer. Alors, on dirait une émission sur TF1 je crois, pour voir la maison des gens, je sais plus comment ça s'appelle. Elle m'aime vraiment. Cyril Hanouna. Oh, et je parie qu'elle est aussi magnifique. Prenez ça pour votre peine. Je n'ai plus besoin de stupéfiants car j'ai trouvé l'amour. Elle-même. Elle-même. Je n'ai jamais été... Alors, on se téléporte à Baverstone maintenant. Je sais qu'on n'aura pas fait grand-chose dans cette vidéo, mais c'est quelques petites choses annexes. J'ai quand même fait plusieurs heures de choses annexes hors vidéo, autant faire quelques-unes hors vidéo. Donc vous voyez que j'ai acheté la maison qui est tout au bout. Soyez prudent, désormais. Et on ira voir après avoir validé la quête. On va d'abord aller au quai de Baverstone, qui est là-bas. Et voir la sorcière qui nous permettra de concocter l'antidote. Ah oui, bien. Ce sera parfait. Donnez-moi quelques heures et... Non, mais n'importe quoi, moi. J'ai de la potion toute prête. Je suis une vraie tête de linotte. D'accord. Je vais garder les champignons si ça ne vous dérange pas. Je vais juste les mettre à l'abri. Voilà. Au revoir. Oh, il y a un miroir. Alors. On va retourner là-bas. On va se reposer. Avant de valider la quête. On va vers ma petite Siri. Notre petite Siri. La voilà. Oui. Sympa le chapeau. Ah, bonjour mon chéri. Sympa le chapeau. Merci. Allez, un petit cadeau. Ah, là. Merci. Mais je pense pas que ça va être notre dernier amour hein, dans le jeu. Vous verrez pourquoi plus tard. Là il fait jour normalement. Et ça. Donc là j'ai amélioré la décoration au max. Là c'est d'abord 200, ensuite 500, ensuite 700. Pour finir à 1400 d'amélioration. Et la quête se trouve... là-bas. Ouais, chasse poupée. Trop bien.
Je n'en reviens pas. La vieille femme nous a vraiment aidés. Je n'irai plus jamais aux chasses aux sorcières maintenant. Nous n'oublierons pas votre bonté, héros. Bonne chance dans vos quêtes. Merci. Bravo ! Plus de sang, ouais. J'ai fait... Et maintenant, bah, on va se téléporter pour aller chercher la quête à Hill. Suivez-moi. Non. Pas de problème, je vous suis. Suivez-moi. Attendez. Dans ce cas, salut. Et voilà, guild. Et on va chercher la quête des... Et bah non, en fait, on va pas chercher la quête. On fera ça dans la prochaine vidéo. Elle est un peu courte, désolé. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Zosdell pour GTBan HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.